Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 6 de Fallout Shelter. Alors théoriquement, c'est presque le 7. Parce qu'en fait, j'étais en train de record quand tout à coup, mon PC m'a lancé une attaque surprise, motherfucker, pour me dire non. Alors du coup, malgré mes tentatives, je n'ai pas pu récupérer ce bout de vidéo. Bon, heureusement, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais en train de record. Le problème, c'est que j'étais en train de record le plus intéressant. Donc, ce qui était simplement l'ouverture des Vault Tech Box. Eh oui. Alors du coup, bon, vous avez loupé 2-3 choses, mais c'est pas trop grave, on va pouvoir y revenir. Alors tout d'abord, le nombre d'habitants. Comme vous pouvez constater, qui a incroyablement augmenté. Eh oui, Fallout Shelter numéro 5, cette petite vidéo, je l'ai tournée le 15 août, les gars. Je l'ai tournée le 15 août, et là, à l'heure actuelle, je la tourne, celle-ci. On est le 27, il est 1h23 du matin. Voilà. On se met bien. Ouais, alors finalement, c'est vrai que je suis plutôt dégoûté de ne pas pouvoir vous montrer les ouvertures. Bon, on va faire quand même un petit tour, un peu, de ce que j'ai eu. Alors, au niveau des armes, je vais vous montrer la seule vraiment potable que j'ai eue. C'est celle-ci, c'est un lance-flamme renforcé, donc une arme rare. Plutôt pas mal, sur une femme que j'ai eue récemment. Donc, les personnages rares, comme je les appelle, qui ont donc des caractéristiques plutôt bonnes. Hein, de base, c'est pas ceux qui arrivent niveau 1 à presque 2 partout et basta. Hein. Là, c'est. C'est du lourd! Alors maintenant, on va passer aux tenues. Alors attention, tenez-vous bien, j'en suis plutôt fier. Petite armure assistée, les gars. Voilà, je me mets bien, c'est moi qui régale. Asseyez-vous, faites ce que vous voulez, je vous en prie. Ça va tourner, hein, parce que là. Dur. Oh là, oh là, oh là, oh, 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 non, non, voilà, bon. Alors, l'uniforme de commandant, j'en suis plutôt content, excepté le fait que je ne sais pas à quoi sert ces caractéristiques, en fait, en quête. Parce que sachant que, donc, je sais à présent que la force aide à faire plus de dégâts, il paraîtrait, hein, les gars, moi, je suis pas la science infuse, mais bon, il paraîtrait que ça permet de faire plus de dégâts avec des armes au corps à corps. L'endurance, elle, permet d'avoir plus de vitalité. Je vais revenir sur elle. De base, donc elle a pas mal d'agilité. L'agilité sert à tirer plus vite. Hein, donc, quand vous avez quelqu'un qui a plus d'agilité, vous verrez constamment, il tire plus rapidement que les autres. C'est indéniable. C'est donc un énorme atout quand vous êtes en quête. Ça vous permet de dérouiller plus rapidement les mecs. Donc, vos gars qui ont le plus agi, mettez-leur les meilleurs armes. Ça veut dire que, on va dire, en termes de DPS, ça va augmenter considérablement. Ah, tiens donc! Bon, j'ai même pas le temps de finir ma petite explication, que voilà. Alors, quelques changements aussi au niveau de la première salle. À part lui, qui a une arme rare de 6 à 10, tous les autres ont des armes rares, qui sont d'allons de 13, 14, 17, bon, voilà. Alors, vous devez aussi vous rappeler, dans une des vidéos, c'était arrivé relativement loin. Sauf que cette fois-ci, ça a changé la donne. Puisque mes deux premières salles sont très bien préparées, ils ont tous un bon niveau et des bonnes armes. Ce qui fait que maintenant, les écorcheurs. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un écorcheur qui a fait du freestyle. Et il est retourné en arrière. Je pense qu'il a fait. Il a dû oublier, je sais pas, son lacet était défait, un truc comme ça. Bon, bref. Mais d'habitude, ils arrivent là. Et quand ils pénètrent celle-là, il se passe rien en fait, ils avancent, ils meurent. Donc j'en suis plutôt content, sachant que la dernière fois ils étaient arrivés plutôt loin, je crois. Ils étaient descendus là, ils étaient redescendus ici, je crois qu'ils étaient redescendus là, un truc comme ça, je sais plus. Mais enfin bref, repartons dessus. Donc entre-temps on a eu des choses, donc ça c'est des choses que j'avais déjà. Enfin bon, donc bref, voilà, au niveau des stats, donc. Où j'en étais, j'étais à l'agilité, mais bon. Il y a la chance qui donc permet d'avoir plus de chance. C'est génial. Mais les autres, en fin de compte, je n'en sais plutôt rien. Donc si quelqu'un veut bien me le dire, éventuellement, ça m'arrangerait, puisque bon. Parce que j'en sais rien. Bon, au niveau du bric-à-brac, j'ai eu des trucs sympathiques. Bon, ça, j'en ai eu en quête. Un petit drapeau plié. Bon, là, je me suis mis plutôt bien. Et deux superbes flacons de chimie. Bon, bref, certes, c'est du légendaire, mais on aurait préféré des tenues, des armes, tout ça, quoi. Bon, ça va, au final, je suis plutôt bien, là. Là, je commence à être bien. Et alors, attention, parce que j'ai ouvert cette Vault-Tec Box et trois caisses animales, donc ça m'a pris pas mal de temps à avoir tout ça, mais enfin. Tadam! Je me suis chopé, donc le petit chat dans une des Vault-Tec Box. Mais trois putains d'animaux communs. Voilà, j'étais content. Et on a eu Daisy, la petite et Daisy. Avec un passif pas très cool. Voilà. Bon, après, les animaux sont toujours bons à prendre, sachant qu'ils font un bonus qui est considérable de base.
vos persos augmentent en permanence. Bon, allez, on va se mettre avec un petit plus 1, écoutez, 159 habitants. J'ai rien pour lui, c'est hors de question que je lui file ça là, hein. C'est hors de question. Alors aussi, donc, comme vous pouvez le constater, je suis à peu près riche par rapport à mes vidéos précédentes. Alors donc c'est du farm, hein, les gars, quête sur quête, faire des rushs en permanence. Il n'y a que ça qui a pu payer. Hein. Et surtout, s'emmerder à cliquer partout là, sur tous ces connards pour les EP, c'était horrible. Et de temps à autre aussi, améliorer la chance d'un résident, voire 2x2, 3x3, bref. Pour les renvoyer dans leur machin et espérer que quand on récolte une série de ressources, et ben que ça nous fasse un peu de monnaie, par exemple. Là j'en ai eu. Et figurez-vous qu'en fait, plus ça va aller, plus vous allez vous faire de la thune à force de payer les levels. Là par exemple, sur le coup vous vous dites c'est rien, mais des fois genre je suis en train de jouer, hop, je suis sur Facebook. Je reviens et là j'en ai 5-6 à améliorer, puis des fois c'est genre un niveau 30, un niveau truc comme ça, enfin plus de 20. Eh bah les 5-6 m'ont fait plus de 100 capsules, rappelez-vous à la première vidéo, 100 capsules c'était la fête, hein, on faisait une fiesta pas possible. Mais bon, là tout de suite, c'est pour une seule et bonne raison que j'ai farmé les crapswall. Eh ouais. Bah. Oh, j'ai entendu le PD. Je l'ai entendu. Tu vas pas m'échapper. Youhou. Où es-tu? Ah. Eh, cet enfoiré, c'est devenu un putain de rapia. Il me donne plus rien. Hein, là, ça fait 3 jours, il me donne max 400. Ouais, parce qu'entre-temps, je suis devenu pro-chasseur du mystérieux inconnu. Hein. Alors là, je me jure, je suis devenu un PGM. Bon. Ce qu'on attend tous. Qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Alors, c'est surtout celle-là qui m'intéressait. J'avais eu un plan, je le savais. Mais du coup, je pouvais pas aller voir à quoi ça ressemblait. Faute d'avoir pas de l'amélioration. Alors, attention. Je sais pas si je suis prêt, en fait. Parce que du coup, c'est vrai que actuellement, mes dégâts max s'arrêtent à 18. C'est, par exemple, le lance-flamme qu'elle a eu tout à l'heure, Mademoiselle Brandt. Lance-flamme de 15 à 18, mais j'ai mon premier Film-Q qui est lui un fusil à plasma de 17 à 18, donc ça tamponne. Allez, oh putain de merde! Oh les dommages! Et ça, c'est quoi ça? Un serpent imprimé. Non, 13 jours. Il se fout de ma gueule ou quoi là? Eh. Oh, damn. T'as les gars, sans déconner, ils sont en train de se gaver là ou quoi là? Toujours pour cette daube là. Quand bien même, je suis en train de constater qu'il y a des armes plutôt sympas. Dans la Fat Man. À mon avis, ça doit envoyer du lourd. On se réfère au jeu, on sait tous, la Fat Man, c'est une arme abusée, voilà, des gros dégâts malgré une cadence plus que pourrie à chier. Mais bon, donc c'est prometteur, et moi il y a juste les 12 jours, là, les 12 à 13 jours là, qui m'emmerdent. Voilà, plutôt bien. Encore! Et ils en ont pas marre là? Voilà, là ils reprennent le chemin normal, c'est effectivement ça qu'ils sont censés faire de base. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Il avance, il meurt. Ouais, je suis relativement pauvre maintenant. Ça m'a un petit peu plombé, faut dire. Bah, malgré tout, je reste relativement déçu de pas avoir pu vous montrer les ouvertures, c'est vraiment con. Faudra que je songe à faire des petites améliorations à ce putain de PC parce que là il commence à me. Comme d'habitude, à nos courses, sur le haricot. Mais vous inquiétez pas, là maintenant j'ai 3 teams de farm. Je pense que ça va remonter vite. Et il faut que je vous fasse une ouverture de masse. Donc je pense par contre que la prochaine vidéo de Fallout Shelter sera quand même bien plus tard. Je vais un peu le mettre en pause pour YouTube en fait. Et comme ça, quand j'en ferai une, là la différence sera encore plus grande. Ça sera notable. Et surtout, j'aurai quelque chose de sympa à vous proposer. Tout ce qui est ouverture, tout ça, bon, moi personnellement j'aime bien les ouvrir, j'aime bien les petites surprises.
Même si, on va dire que j'ai pas tellement de chance. Parce que bon, écoutez, j'ai essayé la version portable. Et genre, première ouverture, petite armure assistée légendaire, voilà. On s'y met bien. Deuxième ouverture, c'est un animal de compagnie légendaire. Je sais plus qu'est-ce que c'était, mais bon, en tout cas, j'ai été bien dégoûté. L'app, elle est déjà supprimée. Enfin, toujours est-il, je ne sais pas trop quoi faire maintenant, puisque j'ai tout. J'ai tout, donc maintenant ça va être surtout une histoire de farm. Bon, après les farms, je me fais pas de soucis là. Bon, là ils sont tous en train de rentrer, mais bon, il y a encore tellement de choses à faire, c'est juste de la folie. Après, ces bâtards là, ils mettent des conditions de con quoi. Faut être niveau 15, il faut utiliser un pistolet à 32. Qui essaie qui utilise ça? C'est de la merde. Là, pour ça là, faut être niveau 26, faut avoir un fusil à clous et faut le faire tout seul. Eh les mecs. C'est bon quoi. Bah du coup voilà, la vidéo va être relativement courte, mais en même temps je peux pas vous proposer plus, c'est pas un jeu sur lequel on peut se permettre de faire un let's play genre montrer 100% de la vidéo, franchement c'est. Eh les gars, j'ai déjà fait. C'est pas trop cool de voir ça, hein? Ça vous plaît? Waouh. Non, sans déconner, bah voilà quoi. Après, bon, j'essaie de vous proposer des choses les plus intéressantes possibles dans ce jeu. Et ce que je trouve le plus intéressant, enfin à montrer en tout cas, ça reste tout de même bah, les petites ouvertures quoi. Hein. C'est sympa, je trouve. Alors, bah, du coup, voilà, on se quitte sur cette vidéo. Du coup, bon, qui à la base est un petit peu foirée parce que. Puisque je n'ai pas pu montrer ce que je voulais montrer. Mais bon, du coup, voilà, je peux quand même vous montrer l'essentiel. J'ai réussi à garder l'essence même de la captivité. Putain, ça aussi, ça voulait rien dire, sans déconner, il faut que j'arrête, moi. Hein. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, écoutez, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, vous faites ce que vous voulez, c'est vous les rois ici. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo, hein? Allez, moi, je vais aller niquer un peu d'écorcheur. Kiss!